Bonjour les gaufrettes! On espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus de gaufrettes à nous suivre. Ce qui nous encourage à continuer et à partager de bonnes recettes. Que va-t-on proposer aujourd'hui? J'ai bien envie d'une recette insolite. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Ah ben ça alors, du coca dans un plat viande, c'est pas banal. J'ai hâte de voir ça. On y va alors. On se lave les mains et... Direction cuisine. Il faudra une canette de coca de 33 centilitres, un sachet de soupe à l'oignon déshydraté, une poignée de noix de cajou salée, 250 g de champignons de Paris et 6 blancs de poulet. Attention! Il ne faut pas utiliser de Coca Light, ni sans caféine, ni zéro, ni Life. Dans l'Ultra Pro de tube, je verse le Coca et 3 quarts du sachet de soupe, puis je mélange. L'Ultra Pro de Tupperware est un plat allant au four. Vous pouvez utiliser n'importe quel plat à condition qu'il ait un couvercle. Je coupe les champignons. Dans mon plat, j'ajoute les noix de cajou et les champignons. Je dépose le poulet et je parsème du reste de soupe. Pour plus de tendresse, je laisse mariner au frigo pendant 30 minutes. Je couvre le plat et ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 40 minutes. Si vous utilisez un autre plat que le Tupperware, il faudra sans doute ajuster la cuisson. Waouh, super rapide ta recette Maëlys. Oui, et méga délicieuse. On peut servir ce poulet avec du riz basmati. Vous pouvez réaliser cette recette avec vos enfants pour épater les grands-parents, les tontons, les tatis, les amis. Oui, et leur demander de trouver l'ingrédient insolite. Du coca. Osez comme ingrédient. Testez cette recette et dites-nous en commentaire les réactions de vos invités. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.